Et voici le podium, donc comme prévu, Brajkovic endosse le maillot rose. Voilà. Donc, le premier c'était Team RadioShack, deuxième c'était Team Aeroad. Donc, Brajkovic s'impose directement au leader et prend quelques secondes d'avance sur les équipes adverses. Alors, meilleur jeune, c'est Kwiatkowski, le seul jeune de l'équipe RadioShack. Alors, faudra que je vois les jeunes dans ce peloton pour voir qui pourra être meilleur jeune à la fin du Tour d'Italie. Et RadioShack, voilà. Donc, RadioShack, Aeroad, Omega, Katusha, Movistar. Voilà, bon.